Coucou mes choup-choups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien comme d'habitude, je suis assez confiante sur la suite de cet épisode. On le termine pas aujourd'hui en fait, je pensais qu'on le terminait aujourd'hui mais non, ce sera pour la semaine prochaine. Autant pour moi, hein, tant mieux, ça nous fait un peu plus de contenu sympathique. On va espérer sympathique parce que si c'est cul, forcément ça sera pas très cool. Hein. Du coup allons-y, continuons cet épisode 19 et espérons qu'il soit satisfaisant. J'ai étreint Rosa en guise de bonjour. Installe-toi je t'en prie. Je suis allée prendre la commande des autres clients présents et j'ai débarrassé une table avant de revenir. Qu'est-ce que tu prends alors? Oh, j'ai envie d'un truc frais et sucré. Il fait si chaud. Un diabolo pêche? Parfait, je vais chercher ça. C'est cool parce que dans le café, il n'y a que nos potes qui viennent. C'est pratique. J'ai besoin de faire la compta en cuisine. Je peux te laisser gérer le café? S'il te plaît. Oui, bien sûr, pas de souci. J'ai perdu moins 30 avec elle quand même, hein, en un épisode. Hein. C'est pas, même pas en un tiers d'épisode. Elle est entrée en cuisine et j'ai préparé les commandes des différents clients. Oui, bah comme d'hab, quoi. Hein. J'ai servi les verres en terminant par Rosa. Tout va bien? Oui, juste Clémence. Elle est bizarre, comme d'habitude. C'est mon dernier jour, elle passe de tyrannique à aimable. C'est difficile à suivre. Ah ouais? C'est pas plus mal que t'en aies terminé avec elle. Ça avait l'air compliqué, parfois. Je te le confirme, oui. Je suis contente de te voir. On s'est pas croisés depuis la soirée ici, justement. Ah oui, j'avais un peu disparu de la circulation dernièrement. Oui, j'ai cru comprendre que tu étais en bonne compagnie. J'ai eu un petit rire. Rosa et moi nous sommes téléphonés cette semaine pour se raconter les dernières aventures. Oui, donc ça va, on s'est pas vu mais on s'est tenu au jus quand même. Hein. En plus ça rime à peu près, c'est le même verbe quoi. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé pour Nat et Ambre. Et je lui ai aussi partagé le récit de mon début de semaine à deux. C'était tellement... Oh Rosa, je viens de passer la meilleure semaine de toute ma vie. Et j'ai pas envie que ça s'arrête. Vous passez le week-end ensemble? Oui, ce soir c'est le dernier avant les résultats. Et après, il part en tournée. Quoi? Directement après le diplôme? Je sais pas quand exactement, mais peu de temps après, c'est sûr. Il part pour combien de temps? Il fait la tournée des festivals cet été et... Oh, ça va alors, tu pourrais presque. Mais il y a de fortes chances pour qu'ils enchaînent sur une tournée mondiale pendant un an, voire plus. Comment ça, il y a de fortes chances? C'est pas acté encore? Alors, attends, je suis peut-être une bille, mais il me semble que normalement ça se réserve, les dates de tournée, non? C'est pour ça que quand un mec nous annonce une tournée, genre un nouveau spectacle ou un truc, il a toutes ses dates sur l'année à venir, non? Ou c'est moi qui suis complètement con encore une fois? J'ai l'impression d'être très débile avec ce jeu quand même, hein? Oh, vous en avez parlé? C'est bien ça le problème, nous n'avons pas évoqué le sujet de peur que ça plombe l'ambiance, je crois. Ça m'inquiète. Vous n'avez pas évoqué le sujet? Thiboudounette, est-ce que t'exagérerais pas un petit poil là? Non, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a croisé Castiel durant le jeu, on a évoqué le sujet, hein. C'est d'ailleurs la seule chose qu'on a évoquée avec lui, hein. Ça, il fait qu'il aime bouffer avant de coucher avec nous, mais sinon, niveau conversation, ça avoisine le moins 8, hein, donc... Bon, vous voyez ce soir, et c'est peut-être l'occasion d'évoquer le sujet. Je voulais faire quelque chose de spécial, je sais pas quoi. Je veux marquer le coup. Te casse pas trop la tête. Je veux dire, une soirée où vous êtes ensemble tous les deux, c'est déjà formidable. Tu n'as pas besoin de te plier en quatre pour que vous soyez bien. Je sais, mais... À vrai dire, j'ai une idée, mais j'ai peur qu'il le prenne mal. Une idée? Je vais peut-être réussir à le rejoindre pendant sa tournée. Je veux dire, sur certains concerts. Mais je ne pourrai pas le suivre pendant un an. C'est totalement ce que je te suggère depuis des mois. Mais putain, c'était pas compliqué. Genre, oh, ça me rend folle. C'est tellement obvious. C'est tellement obvious, si c'est une tournée mondiale, il y a forcément des moments où il va être à côté. Il va pas être en Australie toute l'année, enfin putain, c'est évident, mais genre on l'a tous dit, 50... ça fait 50 épisodes qu'on lui dit. Oui, et je ne veux pas qu'il m'oublie, je ne veux pas non plus qu'il se sente seul. Seul? Il n'est pas seul. Pourquoi se sentirait-il? Crois-moi, je le connais, je sais qu'il garde beaucoup de choses pour lui, mais au fond, cette solitude lui pèse. Oui, enfin tu le connais, il te l'a dit hier soir, hein, donc... Alors j'ai pensé à quelque chose de fou... J'aimerais lui offrir un chien. C'est la pire idée. Non mais même pour ça? Même pour ça? C'est quoi ce message de merde? On n'offre pas d'animaux à quelqu'un si on n'est pas sûr qu'il va le vouloir. Un animal, c'est pas un objet. Un animal, c'est un choix. C'est comme si t'offrais un enfant. Enfin, bon, ok, d'accord, un animal, c'est pas un enfant. D'accord, mais niveau responsabilité, il y a quand même des choses à prendre en compte. Tu peux pas offrir un chien à quelqu'un. Puis même, t'as le feeling quand tu choisis ton animal. Il faut avoir cette envie, tu vois. Je suis... Même ma mère, qui pourtant est très pulsionnelle, très dans l'affect, etc. Il y a eu une phase où je vivais très mal de pas avoir de chien. Elle avait pensé à m'en offrir un. Et même elle m'a dit, ouais, mais non,
parce que c'est, enfin, il faut que tu le choisisses, quoi. C'est un choix du cœur, un animal. C'est voilà, c'est, faut que tu sois sûr de toi et tout. Et même elle, elle en avait conscience, alors que je vous dis, elle est à fond dans les, dans l'affect. Donc attends, c'est quoi ce message? Alors j'espère que Rosa va faire une réponse intelligente et dire qu'un chien c'est pas un cadeau. Si elle le fait, j'ai pas besoin de gueuler. Mais quand même, rien qu'elle y pense, je trouve ça. Waouh, c'est une décision qui doit être prise par le maître. Tu ne peux pas lui imposer de. Je sais, mais je suis persuadée qu'au fond, il en a envie. Sauf qu'il n'a pas le temps de s'en occuper et ça lui fait revivre le deuil de démon. C'est compliqué, mais... J'ai une idée. C'était bien sa réponse, fallait s'arrêter là, hein. Si tu me dis que je ferais mieux de lui prendre un poisson rouge à la place, je... Le hawker au poisson rouge, j'imagine bien, mais non. Tu peux toujours tenter de contacter un refuge. Un refuge? Ouais, bah ça c'était pas le plan de base. Elle voulait lui prendre un chiot. Pour les gens qui veulent adopter des chiens, quelquefois ils leur permettent de le garder pendant un temps pour voir si chacun s'habitue à l'autre. Comment ça? Avant de concrétiser l'adoption, ils étudient ton dossier afin de s'assurer que tu as bien conscience de ce qu'implique l'adoption d'un animal. À savoir si le chien aime et s'habitue à son environnement, et si les jours de test se passent bien. Et tu penses que je pourrais essayer ça? Récupérer un chien pendant quelques jours? Non mais... Le mec part en tournée. Il a déjà pas le temps de voir sa meuf. Le chien il va faire quoi toute la journée en fait? Un chien c'est pas une peluche! Le chien, il a besoin de courir, il a besoin de sortir, il a besoin de présence. Quand Cassel, il va être sur scène ou en répète. Déjà là, il a pas le temps de faire autre chose que ça. Comment il va prendre en charge un animal? C'est complètement débile. Enfin, je sais pas. Je comprends qu'il a envie d'un chien. Putain, je suis dans la même situation. Moi aussi, j'ai envie d'avoir un chien. Ça me manque de ouf. Mais je sais que ma vie actuelle est pas top pour ça. Le cadre où on vit, même si notre appart, il est grand, on n'a pas d'espace vert juste à côté. On est au cinquième. Enfin, voilà, je sais pas. Moi, je bouge beaucoup, je travaille beaucoup. Merlin, je suis très fusionnelle avec lui. On a une relation très forte. Même si j'en ai envie, bah j'ai conscience que c'est pas le meilleur cadre. Là, c'est le cas, c'est pareil. Il va partir en tournée, bordel. Il va pas être là de la journée. T'emmènes pas ton chien en répète, hein. C'est pas comme un YouTuber où tu peux emmener ton chien à ton bureau, tu vois. Là, c'est pas pareil. Comme ça, Castiel pourrait voir si ça lui plaît et voir si cette responsabilité n'est pas trop lourde pour lui. C'est une merveilleuse idée, Rosa. Attends un peu. Je suis pas certaine qu'ils acceptent de te mettre à l'essai dans la semaine qui suit. Ça prend du temps, normalement. Je ne termine mon service qu'en milieu d'après-midi. Ça risque d'être trop tard. Moi, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Je peux les appeler pour prendre des renseignements. Sérieusement, tu ferais ça? Il n'y a rien de plus craquant qu'un chien. J'accepte seulement si tu me laisses t'accompagner pour venir le chercher. Tu rigoles? Oui, merci! J'ai embrassé Rosa sur la joue sous le coup de la surprise. Mais, pareil, comment elle le choisit, le chien? Genre, elle dit juste, bah, je voudrais un chien à l'essai et c'est tout. Enfin, faut choisir. Enfin, je sais pas. Ah, je sais pas, c'est pas... C'est pas un truc que tu loues, tu vois, faut y aller, faut le feeling, faut voir le profil sur le net aussi, demander des renseignements, quel type de vie il lui faut, je sais pas. C'est pas Rosa qui peut choisir ça pour Castiel, déjà elle pour son mec, c'est compliqué, mais alors Rosa... Allez, va t'occuper des autres clients, je jette un coup d'œil sur internet. Merci Rosa, je me suis occupée des clients. J'ai fait plusieurs allers-retours entre la terrasse et le bar intérieur. Clémence semble toujours être enfermée dans la cuisine. J'ai trouvé! Quoi? Il y a un refuge juste à l'extérieur de la ville. Ils ont un chien pour toi. Il faut que tu amènes un certain nombre de papiers. Ils sont d'accord pour te le laisser pendant 3 jours pour commencer. Mais c'est quoi comme chien? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Après, je trouve ça sympa que le jeu ait parlé de l'adoption et tout ça, mais le cadre convient pas. On est d'accord ou c'est moi qui suis vraiment trop carré par rapport aux bestioles? C'est possible aussi, hein. Mais pourtant, j'estime que je suis pas non plus une extrémiste de ce point de vue-là. Mais je sais pas, je trouve ça, encore une fois, assez maladroit. L'idée est belle, tu vois, mais... Par exemple, offrir un chien à Rosa et Leg, ouais, tu vois, enfin... C'est un couple qui a besoin d'affection, ils ont subi une grosse perte, un traumatisme, ça leur changerait les idées, ils ont le temps pour ça, et c'est une présence en plus, ça permet de... Voilà, enfin, c'est un nouveau départ aussi dans ton couple, c'est... Ok, tu vois, là, pour moi, ça fait sens. Castiel, Et ils vont aussi passer à la fin de cette période chez toi. Enfin, chez Castiel, pour s'assurer que l'environnement est sain et que le chien s'acclimate bien. Sérieux, mais si on refuse, si Castiel n'en veut pas au final? C'est aussi fait pour ça. C'est pour s'assurer que l'adoption convient au chien comme au maître. Vous serez tout à fait dans votre droit de refuser avant la fin des 3 jours si vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. C'est tout l'intérêt de l'essai. Mais ce serait pour quand? Faut que j'aille le chercher quand? Ils nous attendent ce soir vers 20h30. Sérieux? Oh mon dieu, oui, merci Rosa! Et genre, son nom, son sexe, sa race, son histoire, ses besoins... Non, ça on s'en fout. Genre, un chien, c'est un chien. Tu vois ce que je veux dire? Comme c'est un chihuahua, c'est un berger allemand, c'est pas le même besoin du truc, enfin... Y a pas de quoi. J'ai trouvé ça plutôt sympa à faire.
Épluché internet en voyant défiler des petites bouilles de chiens qui cherchent une famille, je me suis retenue de ne pas en appeler plusieurs pour moi. T'imagines? Et puis, le nom de Castiel ne leur était pas inconnu. Je pense que ça a aidé. Ah, c'est pas vraiment un argument. C'est vraiment, bah, à la limite, c'est encore moins... Je trouve ça encore moins digne de confiance, mais... J'ai aussi précisé qu'il avait déjà eu un chien de grande race et que c'était un connaisseur. C'est ce qui a joué en notre faveur. C'est génial. Je suis surexcitée à l'idée de lui faire cette surprise. Et en même temps, j'ai peur que ce soit une mauvaise idée. Je sais pas encore quoi en penser. Moi, je sais, hein. Moi, je fais ça à Kim. Ah bah, on va avoir une discussion, hein, c'est... Et ça fait 11 piges qu'on est ensemble, on a déjà eu un chien, il aime les chiens, donc... Mais Rosa a dit qu'on avait des jours de test. On verra. Donc, on y va ce soir. Je dois filer, là, j'ai quelques trucs à faire. Mais oui, on se tient au courant pour se rejoindre devant la fac en fin d'après-midi. Ok, compte sur moi. J'ai nettoyé les tables inoccupées avant de vérifier l'heure. C'est bientôt la fin de mon service. Faut que je prévienne Clémence, il est l'heure de rendre mon tablier. J'imagine bien Castiel, si qui s'attend à une soirée super romantique avec des chandelles et tout, il va se retrouver avec un chien. J'ai rangé les derniers verres que je portais sur mon plateau. Ça me fait tout de même un drôle d'effet. J'ai passé mon année ici, peut-être même plus que dans ma propre chambre à la fac quelquefois. C'est pas ce qu'on a vu, mais bon. Au final, j'ai aimé être ici. Il n'y avait pas trop de contraintes, mis à part le début compliqué. Je passais ma journée à rencontrer des gens, croiser des amis. Je me suis approchée de la porte de cuisine. Je sais que Clémence n'aime pas être dérangée lorsqu'elle fait la compta, mais... Il faut bien que je rende ce fichu tablier. Hey! Oh, salut, mais... Tu bosses aujourd'hui? Je croyais que... Il fallait que je vienne chercher mon attestation de fin de contrat. Clémence n'est pas là? Elle fait la compta en cuisine. J'allais justement lui dire que c'était la fin de mon service. Oh, mais c'est vrai que c'est ton dernier jour aujourd'hui. Ça va presque me manquer, cet endroit. Presque? Bon, ok, ça va un peu me manquer. On pouvait bosser en voyant nos amis en terrasse, on avait le droit d'utiliser le café pour organiser des soirées. Il y avait pire comme job étudiant. Oui, je crains que nos prochains boulots ne nous laissent pas autant de liberté. Bon, je vais frapper à la porte, je reviens. Ok, vas-y. T'imagines, elle s'est suicidée. Mais je sais pas, je trouve ça trop glauque qu'elle soit enfermée là. En espérant qu'elle soit de bonne humeur. Pourquoi, c'était pas le cas aujourd'hui? Disons que la journée a commencé difficilement, hein? Jusqu'à ce que je mette les choses au point. Elle s'est adoucie en une demi-seconde. Elle m'a fait un truc similaire lors de mon dernier jour. Ok. Bon, j'y vais. J'ai attendu patiemment que Yoon sorte des cuisines en guettant la terrasse. Aucun nouveau client n'est venu s'y installer. Bon, c'est bon. Elle a à peine dit un mot. J'ai fait passer le message en disant que tu attendais devant la porte et que tu avais un tablier à rendre. Elle va pas tarder à arriver. Ok, merci Yoon. Bon, allez, j'y vais. Et au fait, merci encore d'être resté le week-end dernier pour m'aider à tout ranger. La soirée n'aurait pas dû prendre autant d'importance. T'en fais pas, c'était une chouette soirée. Tes parents ont eu l'air d'apprécier, ils se sont déchaînés sur la piste de danse. Ah, m'en parle pas. Allez, à la prochaine. J'ai attendu quelques minutes que Clémence sorte de là en me rongeant les ongles jusqu'à ce que je ne tienne plus. J'ai poussé la porte des cuisines. Hé, attends, j'arrive, j'arrive. Ah, j'allais justement... Venir me chercher, je sais. Tu as terminé, tu es pressée de t'enfuir à ce que je vois. Non, c'est pas ça. Enfin, oui, c'est la fin de ma journée, mais je ne vais pas m'enfuir. Clémence s'est affalée sur une des chaises du café en posant des papiers devant elle. Voilà, il y a tout ce dont tu as besoin. J'ai même l'attestation. Tu peux tout prendre et déquerpir, pour de bon. Ok, merci d'avoir tout préparé. J'ai détaché mon tablier pour le tendre à Clémence. Tu peux le garder? Oh, eh bien, je ne pense pas que j'en aurai encore l'utile. Ça te fera un souvenir, prends-le. J'ai commencé à fourrer le tablier dans mon sac maladroitement. Eh bien, merci, je... Clémence s'est levée d'un coup et m'a serré contre elle. Je suis sous le choc. Ce geste était totalement inattendu. Tu sais que tu as du potentiel. Beaucoup de potentiel. Tu ne te laisses pas marcher sur les pieds et ça, c'est de la graine de patronne. Tu vas faire de grandes choses, petite. De grandes choses. Et je suis contente de t'avoir recrutée. Ça me rassure de savoir qu'il y a encore des jeunes avec du potentiel tel que toi. Ça me met du baume au cœur, tiens. Ah, je sais pas quoi dire. J'ai toujours eu la sensation que vous ne m'appréciez que très peu. Je suis surprise de... Qui aime bien, châtie bien. Je te souhaite de vivre de belles choses pour la suite. Merci, Clémence. Elle s'est enfin éloignée de moi et je retrouve peu à peu l'usage de mes bras endoloris. Bah, même chose que la semaine dernière, hein. Je suis désolée, mais pour moi, c'est pas parce qu'on veut bien faire en étant méchant que ça excuse la méchanceté. Donc, pour moi, ça reste une connasse au moins 50%. Tant mieux si elle nous aime bien, mais c'est pas réciproque, hein. Allez, file maintenant. Je suis pas douée pour les adieux. D'accord. À bientôt. J'ai observé l'intérieur du café une dernière fois en poussant un soupir. Je me sens nostalgique tout à coup. C'est la fin d'une époque.
Clémence a jeté un œil dehors. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je sens que je vais avoir du travail. Des étudiants par groupe de 10 prennent place sur les tables de la terrasse. Ok, on va rester les dés, c'est sûr. Vous êtes sûr que ça va aller? File, avant que je ne change d'avis. Ok, au revoir Clémence. Ah oui, non, on reste même pas d'accord. Je me suis pas fait prier et j'ai passé la porte du café le sourire aux lèvres. Ok, moi je serais restée pour le coup. Souvent, j'ai aidé, mes deux patrons avec qui j'ai bossé, les petites boîtes dans lesquelles j'étais, les boutiques. À chaque fois que je suis partie de la boutique, il y a des fois où ils m'appelaient pour me demander de les dépanner parce qu'il y avait un souci, une employée malade ou quoi, j'y suis toujours allée. Hein. Je sais pas, c'est partie du truc, je trouve. Effectivement, de jeunes ados remplissent la terrasse. J'en reconnais même certains qui traînaient avec Nina la fois où elle s'est assise ici. Ce jour-là, il y avait Castiel avec moi, je m'en souviens très bien. J'arrive pas à croire qu'ils nous ont fait bosser un samedi matin pour notre dernier jour de cours. Allez, le plus important, c'est qu'on soit libre, arrête de te plaindre. C'est le dernier jour du lycée? J'ai pris une grande inspiration avec un sourire. Ça me rappelle les souvenirs. Ouais, mais ils sont pas fameux pour nous, hein. Dernier jour du lycée, c'était un peu bâclé, hein. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Il est encore tôt. La nostalgie me donne des idées. Je pourrais faire un tour devant le lycée. Ça fait longtemps. Allons-y. En arrivant devant, j'ai dû jouer des coudes pour m'approcher du portail de Sweet Amoris. Le flot d'élèves qui s'échappe m'empêche d'y voir quoi que ce soit. J'ai finalement réussi à atteindre le portail et j'observe maintenant la cour. Bon sang, j'ai passé tellement de temps ici. Ça me fait tout drôle. Moi, ça me fait pareil, j'avoue, parce que pour aller chez ma mère, je passe devant mon ancien lycée. Et à chaque fois, même la grande place qui est devant le lycée, j'y passais toutes mes soirées. Des fois, je finissais à 14h, 15h et j'y restais jusqu'à 20h avec mes potes. C'est la jeunesse, n'est-ce pas? Je passais mon temps dehors à cette époque. C'est étrange. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité et en même temps, les souvenirs sont encore frais dans ma tête. Je me tâte à rentrer. Ce serait marrant d'arpenter la cour et la serre de jardinage. Je m'en souviens comme si c'était hier. Thiboudounette? Oh la vache! Il s'est pris un coup de vieux de ouf! Oh, bonjour monsieur. Je m'attendais pas à vous voir ici. Pourtant, c'est le meilleur endroit pour me trouver. Le dernier jour des cours devant l'établissement. Ah, oui, c'est vrai. Je suis étonnée que vous vous rappeliez de mon prénom. Même si j'ai vu passer des centaines d'élèves, je n'oublie jamais un seul prénom. C'est une qualité et un défaut en même temps. Si seulement je ne savais pas tout ça, j'aurais de la place dans ma mémoire pour bien d'autres sujets. Je comprends. Que deviens-tu maintenant? Je croyais que tu avais quitté la ville à la suite du lycée. C'est le cas, mais je suis revenue pour ma dernière année de fac. Il n'y a qu'ici que j'ai pu trouver une spécialité de cinquième année qui me convenait, sans pour autant m'éloigner de ma famille plus que de raison. Oh, je vois. Qu'est-ce que tu suis comme étude? Eh bien, je suis en histoire de l'art. Je le savais! J'avais clairement décelé une sensibilité artistique chez toi déjà, à l'époque du lycée. C'est merveilleux que tu aies suivi cette voie. Est-ce que ça te convient? Tu t'y plais? Ah, on va partir sur ça, tiens. Oui, j'adore cette filière et je ne me lâche jamais en cours. Il faut dire que j'ai eu un professeur d'art moderne particulièrement génial et passionnant. Peut-être que vous le connaissez? Possible? Quel est son nom? Monsieur Zaidi. Ryan, oui! Enfin, on se connaît parce que j'ai déjà assisté à une de ses conférences. C'est un jeune homme très doué. Et un très bon professeur. C'est une chance, je suis content pour vous. Bon, en tout cas, j'ai été ravie de te voir. Je te souhaite plein de réussite. Je suis certain que l'avenir te réservera de belles choses. Merci. À une prochaine fois, j'espère. J'ai regardé mon ancien professeur d'art s'éloigner avec un sourire aux lèvres. Si ça se trouve, je vais voir d'autres profs. Oh, j'aimerais trop! Même si ça m'étonnerait que Monsieur Farès me reconnaisse, Pierrick est physionomiste, je suis déjà très étonnée qu'il se souvienne de mon prénom sans difficulté. Mais je n'ai pas dû autant marquer l'esprit de Monsieur Farès. Bon allez, je vais profiter de cet après-midi libre pour aller faire quelques cartons dans ma chambre dortoir. Même si je devais redoubler mon année, je ne serais certainement pas dans la même chambre. Donc dans tous les cas, il faut que je me tienne prête. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Oh Nina! Eh bien, un instant de nostalgie. J'avais envie de venir voir ce bon vieux lycée. J'ai hâte d'en être là. Personnellement, j'ai qu'une seule envie, c'est de partir en vacances immédiatement. Je veux bien te croire. Je me souviens de cette sensation de liberté lors des grandes vacances. Je pars dès lundi avec ma mère, mais je reviens en septembre. Oh mais oui, il te reste encore une année au lycée. Ouais, j'ai la sensation que ce sera encore mieux l'année prochaine. Cette année était un peu particulière. On ne dit rien, mais je sais qu'on pense toutes les deux à la même chose. Sans toi et sans Priya... Ça aurait été difficile. Sa phrase me serre la gorge. Et c'est pas terminé. Tu sais que tu peux nous contacter à n'importe quel moment. Même cet été. Merci d'avoir été là. Oh, ça c'est mignon. J'ai le cœur serré. Sans réussir à analyser pourquoi, je me suis approchée pour la prendre dans mes bras. Elle s'est réfugiée dans les miens un court instant avant de reculer d'un pas. T'es bien plus cool qu'avant. Hé, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me connaissais pas au lycée. Non, mais je sais que je te préfère maintenant. C'est tout. Elle a tiré la langue en guise de grimace. Forcément, elle voulait se pécho Lisandre à l'époque, donc...
Je ne sais pas quelle sensation ça fait d'avoir une petite sœur, mais Nina est de loin la personne qui s'en apparente le plus pour moi. En tout cas, dans mon imaginaire de ce lien si fort. Pousse pas, meuf, tu l'as vue 4 fois dans l'année? C'est... Non, mais petite sœur, c'est... Moi, j'ai une de mes motos, c'est comme une petite sœur, on se voit toutes les semaines. Elle vient à la maison toutes les semaines. Donc oui, je peux dire que c'est comme une petite sœur, un petit peu, tu vois, parce qu'on se parle quasiment tous les jours et on se voit une fois par semaine. Et on partage beaucoup, tu vois, donc il y a ce côté, puis elle a 14 ans, donc forcément, voilà, il y a ce côté-là. Mais Nina, tu l'as vue 4 fois et vous êtes liés par une catastrophe. Tu peux pas dire c'est une petite sœur. C'est fort comme terme, non? Enfin, je sais pas, après, c'est peut-être moi encore une fois, hein, mais... On se retrouve après l'été, n'est-ce pas? Eh bien... Quoi, tu t'en vas? Je sais pas encore. J'ai fait plusieurs demandes de stage. J'en ai eu un ici, mais il serait seulement pour l'an prochain. J'attends les réponses pour ceux en septembre, et aucun d'entre eux ne se trouve en ville. Hein. Bon, dans tous les cas, tu reviendras. Préviens-moi quand c'est le cas, on ira boire un café. Compte sur moi. La blondinette m'a salué une dernière fois avant de rejoindre son groupe particulièrement bruyant. Elle entoure son bras autour du cou d'une de ses amies et rit à gorge déployée. J'ai l'impression de me voir il y a quelques années. J'ai soupiré en regardant une dernière fois le portail du lycée. Ça va, meuf? Attends, qu'est-ce que je devrais dire? J'ai 30 balais, moi, ça fait bien longtemps le lycée, hein. Faut pas être nostalgique comme ça, bichette. C'est la vie, hein. L'important, c'est d'avoir vécu chaque moment intensément. Allez, faut que j'aille faire un tour dans ma chambre au campus. Oh, ma petite tiboudounette, comment vas-tu? Salut, tata, très bien, merci, et toi? Comme d'habitude, d'humeur florale. Florale? Oui, rien de mieux que de s'occuper de son jardin pour garder la pêche. Mais comme je n'ai pas de jardin, je viens ici, histoire de garder la main verte. Elle m'a montré ses mains pleines de terre. Elle est en train de planter des fleurs dans le parc. Oh, cool. Tu sais, il a été prouvé que jardiner est bon pour le cœur et pour la zénitude. Je n'en doute pas. Tu n'as pas de plantes dans ton appartement? Tu sais, j'avais juste une chambre à la fac jusqu'à présent. Et non, effectivement, je n'ai jamais pensé à la décorer avec des plantes. Je trouve ça très joli pourtant. Attends, bouge pas. Je comptais planter celle-ci, mais je te l'offre. Tu pourras toujours t'en servir pour agrémenter la déco de ta chambre ou ton appartement, l'an prochain. Oh, merci, tata, elle est superbe. Je t'en prie, elle s'appelle Gwendoline, et elle n'écoute que du heavy metal des années 70. Moi aussi, je plaide coupable, je donne des noms à toutes mes plantes. Je donne même des noms à certains meubles de ma maison, donc... Par contre, elle est un peu ronchon le matin, mais d'agréable compagnie le reste du temps. Ok, je note. Allez, je continue, moi. À la prochaine. Oui, à bientôt. Je pense que là, on avait une indice sur ce qui va se passer après. Je pense que la fac se termine, du coup, pas à cet épisode-là, mais à l'épisode 20, ce qui fait en plus un nombre rond, et ils lanceront sans doute, je pense, à un autre truc pour amour sucré, vie active, tu vois, un truc comme ça. Je pense que l'année prochaine ou dans ta vie future, c'était un indice. D'ailleurs, je ne pense, on en reparlera, mais je pense pas que je le ferai le dimanche matin, à la nuit, je le ferai peut-être en live, mais on en reparlera pour la suite de Campus Life. Enfin, je finis la fac en vidéo, ça c'est certain, on verra pour la suite. Il fait si beau aujourd'hui. Passer la porte de la fac en réalisant que je ne viendrai plus jamais ici pour assister à des cours me procure un sentiment de joie intense. Ce même sentiment que je ressentais au début des grandes vacances, après une longue année de lycée, mais en mieux encore. Salut! Ambre, comment vas-tu? Pas que ça nous intéresse, mais bon. Ça va bien mieux. On ne s'est pas vu depuis la soirée au Cozy Beer, il me semble. Oui, j'étais partie tôt avec Nathaniel. Je pense qu'on avait tous les deux besoin de souffler. Je comprends. Je l'ai pas revu depuis, il va bien? Ouais, très bien même. Je suis si heureuse que ce sujet soit clos. J'espère que la suite sera plus clémente pour lui. Le procès est passé? Pas encore, il va falloir un peu plus de temps que ça. Mais j'ai cru comprendre qu'il était entre de bonnes mains. Le fait d'avoir aidé la police lui sera bénéfique, sans aucun doute. Je vois. J'espère qu'on aura tous l'occasion de se réunir au moins une fois avant les départs de tout le monde. Ce serait bête de passer à côté de ça. Pas comme au lycée, quoi. Ce sera sans moi. Après les résultats, je quitte la ville pour tout l'été. Ah bon? Tu pars en vacances ou tu as un shooting de prévu? Non, je... Eh bien, j'ai trouvé une sorte de camp dans les Caraïbes. Trop cool! Un camping dans les Caraïbes? Non, enfin, c'est pas tout à fait un camping. C'est un endroit où je pourrais profiter du calme ambiant, le but étant de se recentrer sur soi-même. C'est comme un centre hospitalier, mais avec quelques différences. Un centre spécialisé pour les gens qui souhaitent guérir de l'anorexie. Oh, je vois. C'était la première fois que je l'entendais utiliser ce terme. Bravo, Ambre. Le fait qu'elle réussisse enfin à mettre un mot sur son mal-être est déjà une avancée extraordinaire. Il est temps que j'affronte mes démons. C'est vraiment génial que tu aies trouvé la force et les moyens d'aller mieux. Je suis sûre que ça va s'arranger, Ambre. Oui, et puis, je pense que j'ai besoin de m'occuper un peu de moi. Je me suis trop négligée ces derniers temps. Je lui ai souri avec sincérité. Les derniers événements que nous avons vécus ensemble ont fortement contribué à nous rapprocher, elle et moi. Bon allez, je vais aller dormir et tenter de ne pas penser aux résultats de lundi. Oui, le stress commence à monter. Commence ? J'y pense jour et nuit. Je suis sûre que ça va aller. J'espère que tu dis vrai.
Ambre m'a salué avec un sourire et j'ai repris le chemin des dortoirs. Et on s'arrête là! Alors, j'aime bien le chemin qu'on fait, le fait qu'on croise plein de gens, qu'on ait des interactions avec pas mal de monde différent, je trouve ça très cool. C'est clairement la fin, hein, on approche clairement de la fin. Il y a encore des incohérences, ça me fait chier. Le truc du chien, là... Tu fais pas ça, je sais pas, je trouve que c'est pas une bonne idée. C'est même pour 3 jours, en vrai, si l'autre, il sent pas, il va se sentir forcé, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Puis en plus, en vrai, ça donne un message qui est pas forcément vrai, parce que les associations pour animaux, ils ont un contrôle, normalement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé quand on a adopté nos animaux en refuge, avec ma mère, genre notre dernier chien. On avait adopté Crumble, donc, et le gars a dit qu'il y aurait une visite au bout de 3 mois pour voir si tout se passe bien. Mais déjà, on n'a pas eu de visite, on a juste eu un coup de fil, et c'est tout, quoi. Enfin, il faut pas penser... Si on commence à penser que les assos, elles prêtent les animaux, c'est rarement le cas. Les mecs cherchent une famille, quoi. Donc, évidemment, s'il y a un problème, tu le ramènes, mais dans ce cas-là, c'est pas conscient, je veux dire, c'est pas acté comme ça, donc... Faut voir. Effectivement, il doit y avoir des associations qui font ça, mais ça rajoute un taf monstrueux, et de base, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Je trouve que ça... Enfin, en tout cas... Quand mon expérience à moi, ça s'est pas passé comme ça. Donc vous me direz votre expérience à vous. Mais ouais, j'ai trouvé ce côté-là pas forcément malin. Sinon, j'ai trouvé l'épisode bien construit et amusant. Enfin, j'ai passé un bon moment à le faire, donc ma foi, c'est tout ce qui compte. On le termine la semaine prochaine et j'espère qu'on finira par un truc cool. Espérons que Castiel, du coup, aime son chien, hein, ça serait mieux. Mais ça, c'est pareil. En fait, le truc, c'est que c'est piégeux parce que, genre là, il voulait pas. Je reviens là-dessus, mais il voulait pas avoir de chien parce qu'il se rendait compte que, bon, il avait la peur de pas avoir la même relation, certes, mais à côté de ça, il se rendait compte qu'il avait pas le rythme de vie adapté. Là, on va lui amener un chien. Il va être heureux de l'avoir. Il va l'aimer, d'accord. Mais ça veut pas dire que sa vie est forcément faite de la bonne manière aussi. Du coup, il va devoir conjuguer avec ça sans l'avoir prévu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas cool, je trouve. Bref, du coup, je vous fais tout plein de bisous, mes amours. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka, pouka, pouka.